Il ne faut pas acheter l'iPhone 15, ça sert à rien. Ok, on va essayer de voir ça d'un petit peu plus près si c'est vraiment le cas. Pour moi, contrairement à l'iPhone 14 et au précédent, l'iPhone 15 a de nombreuses nouveautés. Cependant, il y a un problème et on va en parler. Je vais vous lister toutes les raisons de l'acheter et de ne pas l'acheter et on va voir si c'est une bonne affaire à première vue. Un point sur lequel on est tous d'accord, c'est le design. Les iPhone 14 et 15 sont très similaires. Le changement vient surtout du côté des couleurs, qui sont devenues moins flashy avec un traitement du verre où la couleur est cette fois-ci intégrée à la matière. La prise en main a tout de même un peu changé avec des bords dont les extrémités sont légèrement arrondies, mais si tu utilises une coque, tu ne le sentiras pas. Ce qui est différent, c'est l'apparition du port USB type C. Ça fait plaisir à pas mal de gens, puisqu'on est nombreux à utiliser des appareils avec le même port. Plus besoin de se trimballer avec un câble Lightning pendant nos voyages. Un seul câble pour tous nos appareils et le tour est joué. Mais Apple a fait les choses à moitié sur cet iPhone 15. Contrairement à la gamme Pro, on a de l'USB 2.0. Pour faire simple, les débits qu'on avait sur le Lightning, on les a pareils sur l'iPhone 15. Sur l'iPhone 15 Pro, il sera utile pour faire des transferts de fichiers plus rapides et surtout de l'enregistrement vidéo sur SSD. Mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est vraiment utile Si vous l'utilisez comme usage pro, oui. Mais pour une personne normale, tout est faisable en sans fil. A la limite, ça pouvait recharger plus rapidement son iPhone, bah, je dirais pas non. Spoil, c'est pas du tout le cas. Par contre, avec ces câbles, on peut transformer son iPhone en une batterie externe et recharger plein d'appareils avec. Que ce soit Apple ou non. Justement, je vous avais fait le test en vidéo. On s'est amusé à recharger une Switch, ça marche parfaitement bien. Donc, finalement, nouveauté utile ou pas, je comprends pourquoi ils font une différenciation entre pro et normal. Mais c'est dommage de le brider puisque c'est une techno qui date à peu même pas mal. La grosse nouveauté sur l'iPhone 15, c'est l'écran. Il est beaucoup plus lumineux et peut atteindre les 2000 nits comme l'écran de l'iPhone 14 Pro et du 15 Pro. Donc ça sera super utile si vous utilisez régulièrement votre iPhone à l'extérieur pour jouer au jeu, aller sur les réseaux sociaux, regarder des vidéos, de Jojo. D'ailleurs, si vous n'êtes toujours pas abonné, bah, n'hésitez pas à le faire. L'encoche, c'est fini. Le Dynamic Island est présent sur tous les iPhones cette année. Ça apporte une nouvelle façon d'animer certaines fonctionnalités de l'iPhone. En toute franchise, moi personnellement, j'en ai pas du tout l'utilité. J'utilise rarement pour appuyer dessus car je trouve pas pratique d'amener son pouce tout en haut, surtout avec les grands écrans du Plus et du Pro Max. Alors super, on se dit qu'on a le même écran que le 15 Pro et le 14 Pro, sauf que non, il faut bien qu'il y ait un Plus pour les Pros, vous n'aurez pas d'écran adaptatif 120 Hz et donc pas de Always On Display. Je vous rappelle que l'écran adaptatif permet à l'écran de changer la fréquence selon votre usage à l'instant T et apporte un côté plus fluide et plus plaisant. Le Always On Display permet lorsque l'iPhone est verrouillé d'avoir toujours l'écran un peu allumé et de vous afficher certaines informations comme les notifications et l'heure. Et le fait de ne pas avoir ça sur un smartphone qui coûte quand même autour des 1000 euros en 2023, c'est vraiment dommage. Donc vous n'aurez pas le meilleur écran qu'on a sur un iPhone. Par contre, les écrans de l'iPhone 15 Pro et 14 Pro sont similaires, juste un petit peu moins de bord sur les nouveaux. L'iPhone 15 a le droit à un changement majeur au niveau de la photo, notamment son objectif principal qui passe de 12 à 48 mégapixels. J'en parlerai comme il faut dans ma vidéo de test. Mais ce qu'on a remarqué, c'est que l'iPhone 15 bah, se débrouille vachement bien. Pour le x 1, on remarque une nette différence avec l'ancienne version face aux 12 mégapixels de l'iPhone 14. Bon, bah voilà. Il a pas photo La netteté est présente, le piqué est très bon. Au premier abord, la restitution des couleurs semble meilleure sur l'iPhone 15. C'est plus naturel et on valide pour l'ultra grand angle, même le capteur est similaire, on sent que le traitement logiciel est en faveur de l'iPhone 15, mais ça reste minime à première vue. La caméra frontale aussi, c'est très ressemblant. On voit tout de même que le mode portrait est plus efficace avec un meilleur détourage. Alors on n'a pas de téléobjectif dédié, mais Apple propose un x2 en 12 mégapixels en utilisant son capteur de 48 mégapixels. Ce qui nous permet de garder en qualité sans avoir un zoom numérique. Et ça marche super bien. Même sur certaines photos, on a une préférence pour le 15 par rapport au 15 Pro. Et ce qui est assez ouf, c'est que parmi nos premiers tests photos avec la caméra principale, pour certaines en plein jour, le 15 n'a pas à envier le 15 Pro. Par exemple, ici dans les zones éloignées, bah, on a plus de détails. On ne sait pas si c'est un problème logiciel, parce que voilà, ça n'a aucun intérêt que le normal soit meilleur que le Pro. Par contre, en faible luminosité, la qualité est plus au rendez-vous sur les Pros. On refera des tests dans les prochains jours pour confirmer tout ça. Par contre, fonctionnalité qu'on n'a pas sur le 15 et qu'on a que sur le 15 Pro, c'est qu'on a la possibilité de filmer en prores et même maintenant en log. Ces fonctions vidéo sont loin d'être nécessaires pour tout le monde, mais ce qui me dérange, c'est que l'iPhone 15 est clairement assez puissant pour pouvoir le proposer. Il est juste bridé pour qu'il y ait quelque chose en plus. Encore une fois, sur le Pro. D'autres fonctions exclues sur le Pro qui auraient pu plaire à des gens lambda, bah déjà la possibilité de faire des photos macro et aussi le mode portrait durant la nuit. Ça ne sera pas possible. Au niveau des performances, est-ce qu'elle est similaire par rapport au 14 Pro vu que, bah, du coup, on a le même processeur Donc là, on a 14, 15 et 14 Pro. Au niveau des RAM, on est pareil. Et après, en effet, la puce n'est pas du tout la même sur le 14 qui est un petit peu plus ancienne. On va voir ce que ça donne en termes de score. Le premier à donner son score, c'est le 14 Pro. Les scores sont assez similaires entre le 14 Pro et le 15, même si on voit qu'il est un petit peu plus élevé sur le Pro. Et heureusement, on voit qu'il y a une évolution entre le 14 et le 15. Sur Andon2, score assez similaire, encore une fois, entre le 14 Pro et le 15, mais finalement plus intéressant sur le Pro et le 14 qui est dernier. Donc on peut le dire, les performances sont plus intéressantes sur le 15 que sur le 14. Assez similaire entre le 15 et le 14 Pro, mais un tout petit peu plus intéressant sur le Pro. Par contre, Nouveauté qu'on a sur les nouveaux iPhone 15, c'est le fait qu'elle est équipée de la deuxième génération de la puce ultra wideband qui permet d'avoir beaucoup plus de précision sur la localisation. Ça peut voir trois fois plus loin. Donc c'est super pratique si par exemple, vous cherchez un ami, un membre de votre famille qui est en plein concert ou dans un parc d'attractions, dans un lieu où il y a beaucoup de monde, vous allez pouvoir le retrouver beaucoup plus facilement. Mais il faut qu'ils aient au minimum un iPhone 15 avec cette nouvelle puce. Sinon, ça ne marchera pas. Le point où Apple est vraiment en retard par rapport à ses concurrents, c'est en ce qui concerne la recharge. C'est l'une des plus lentes du marché, 25-27 watts en filaire, 15 watts en sans fil. Pas vraiment de grosse évolution sur ces dernières années. Et ne me dites pas que ça permet de pouvoir gagner en durée de vie sur la batterie, car aujourd'hui on est capable d'avoir des batteries intelligentes qui durent dans le temps. Ça peut même être intéressant d'en parler dans une future vidéo. Ah aussi, l'autonomie du 15 serait équivalente par rapport au 14, donc le 14 Pro serait meilleur. Le gros point positif sur les nouveaux iPhone, c'est que le prix a baissé. On est environ à moins de 50 euros pour les iPhone 15. En réalité, Apple s'est plutôt mis à jour par rapport à la valeur de l'art euro. Donc on revient sur des prix normales avant la grosse augmentation de l'année dernière. Bon, en regardant d'un petit peu plus près, on voit tout de même que l'iPhone 15 a pas mal de nouveautés très intéressantes avec des caractéristiques quand même assez solides, mais il a un problème. Et le problème, c'est l'iPhone 14 Pro. En effet, tous ces gros changements sont déjà présents sur cet iPhone et pour certains même mieux comme l'écran, un objectif supplémentaire, une meilleure autonomie, des fonctions vidéo photo en plus. Et finalement, la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que ça vaut pas plus le coup d'acheter l'iPhone 14 Pro que l'iPhone 15 La différence de prix n'est pas négligeable à la sortie de l'iPhone 15 Pro, enfin, le 14 Pro a baissé. On peut le retrouver en moyenne 100 euros de plus que l'iPhone 15. Je ne parle même pas des occasions où certains prix sont cassés. Par contre, si vous faites petit conseil, achetez-le au minimum avec un an de garantie et bien vérifiez que vous avez la facture. En tout cas, si vous êtes intéressé pour acheter des iPhone 15 de neufs, sachez qu'il y a des super bons plans actuellement avec Orange qui propose moins 30 euros sur les 15 et 15 Plus et moins 50 euros sur Pro Pro Max. Je vous laisserai checker, il y aura un lien dans la description. Voilà donc un test vraiment hyper rapide de cet iPhone 15. Comme je l'ai dit, on rentrera beaucoup plus dans les détails dans une autre vidéo. Là, ce qui m'intrigue le plus, c'est surtout en ce qui concerne l'autonomie. Et vraiment si le capteur principal de l'iPhone 15 est plus intéressant que le 15 Pro. Ça me paraît très étrange, mais qui sait, on peut avoir des belles surprises. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner et à regarder cette vidéo.